Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur le thème « Comprendre pour agir, l'égalité professionnelle femmes-hommes en question ». Alors, cette table ronde a lieu un 8 mars, ce n'est pas un hasard, c'est le jour, la journée des droits des femmes, à ne pas confondre avec la journée de la femme, parce qu'on parle des droits des femmes, n'est-ce pas? Donc, cette table ronde a pour but de présenter le plan d'action pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Dans cette table ronde, plusieurs personnes vont intervenir. D'abord, monsieur le recteur de Nice, monsieur Lagagné, madame Varna, directrice de projet Label Diversité, madame Régnier, professeure des universités et vice-présidente d'Aix-Marseille Université, monsieur Bourdeau-Duy et monsieur Péfer, directeur des ressources humaines, respectivement des académies d'Aix-Marseille et de Nice. Et tout cela en présence des secrétaires généraux des académies d'Aix-Marseille et de Nice. Alors, tout au long de cette table ronde, vous aurez l'occasion de poser des questions à travers un chat. Pour accéder à ce chat, vous voyez que tout en bas de votre écran, vous avez un certain nombre d'onglets, dont notamment celui de la conversation. Voilà. Vous devez également émarger de façon numérique en allant sur le module programme, puis ensuite tout en haut à gauche, liste d'émargement. Mais dans un premier temps, nous accueillons Monsieur Lagagné, recteur de l'Académie de Nice. Et bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette table ronde et qui plus est dans le cadre d'une journée, vous venez de le dire, internationale dédiée aux droits des femmes. C'est d'autant plus important que, vous le savez, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, également le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, se sont pleinement emparés de ce sujet à travers tout particulièrement l'adoption d'un plan national d'action 2021-2023 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et donc c'est une étape majeure hein, qui a été franchie pour progresser dans l'égalité réelle au moyen d'une gestion des ressources humaines que nous souhaitons pleinement renouveler. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite, en réalité, de longue date dans les politiques déployées et un certain nombre d'avancées significatives ont déjà eu lieu. Toutefois, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a encore très clairement des marges de progrès et d'ailleurs le Grenelle de l'éducation qui nous a mobilisés pendant plusieurs mois a souligné à plusieurs titres la nécessité effectivement de renforcer en particulier la gouvernance des politiques d'égalité professionnelle, de créer les conditions d'un égal accès aux responsabilités professionnelles également, également de prévenir les écarts de rémunération ou encore de prévenir et de traiter les actes de violence ou les actes de harcèlement que l'on peut connaître dans notre maison éducation nationale. Et on le sait, par ailleurs, les inégalités femmes-hommes ont des causes multifactorielles et de fait, il n'existe pas de solution unique qui peut résoudre cela et donc nous avions tout intérêt à mettre en place un certain nombre d'actions concrètes, complémentaires, à plusieurs niveaux, avec des synergies entre ces actions, afin d'accélérer le processus. Et c'est la raison précisément pour laquelle un plan d'action a été élaboré par notre ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais également par le ministère de l'Enseignement supérieur. Un plan d'action, vous le savez, qui est structuré autour de 5 axes, conformes aux prescriptions de la loi et de l'accord précité. Je les rappelle très volontiers parce que ça va forcément guider les discussions ensuite et les présentations dans le cadre des tables rondes. Donc, renforcer la gouvernance des politiques d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, créer les conditions d'un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles, évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l'articulation des temps de vie professionnels et personnels, et enfin prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, dont les violences sexuelles et sexistes,
les problématiques de harcèlement moral ou sexuel également, ainsi que les agissements sexistes. Donc voilà le plan d'action national, et l'enjeu, bien évidemment, au-delà du plan national, est de pouvoir décliner localement ces 5 grandes orientations stratégiques, et c'est la raison pour laquelle nos académies ont décliné, en fonction d'enjeux territoriaux, le plan en question à travers la mise en place de plans académiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous avons, il faut le dire, déjà pris, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, un certain nombre de décisions importantes. Nous continuerons bien entendu à le faire hein, dans les mois et dans les années à venir, mais disons-le d'emblée, l'égalité est l'affaire de toutes et tous. Tous les personnels, effectivement, doivent s'approprier cette politique d'égalité depuis les services de nos rectorats jusqu'au DSDEN, aux circonscriptions, dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est un point extrêmement important et c'est la raison pour laquelle nous organisons aussi cette table ronde. C'est une dimension indispensable au succès de la mise en œuvre de ce plan d'action. Nous avons recruté, et nous poursuivons bien sûr ce travail, nous avons recruté des femmes et des hommes de très grande qualité. Nous devons de garantir à toutes et tous les mêmes conditions, les mêmes perspectives de carrière. Il s'agit donc de partager ensemble, pour tous les personnels de nos deux académies, un temps de réflexion, un temps d'échange sur ce sujet d'importance. Donc une première table ronde, celle d'aujourd'hui, va nous permettre de faire tout d'abord un état des lieux des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de notre ministère, notamment grâce à l'intervention de Madame Agnès Varna, directrice de projet de la Belle Diversité. Il s'agira ensuite de tenter de mieux comprendre l'influence des stéréotypes de genre sur les performances cognitives et les décisions de recrutement, avec l'intervention de Madame Isabelle Régnier, professeure au laboratoire de psychologie cognitive, vice-présidente de l'université, donc d'Aix-Marseille Université, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Vraiment, je vous remercie très sincèrement de votre participation à cette table ronde qui va nous permettre justement de poser un certain nombre d'éléments diagnostiques de nos réalités quotidiennes de fonctionnement de nos organisations et bien évidemment de dresser un certain nombre de perspectives, des perspectives qui seront également portées par nos deux directeurs des ressources humaines, des deux académies, donc M. Charles Bourdaudui et Christian Péfer, qui sont ensemble du côté d'Aix-Marseille et qui présenteront respectivement la déclinaison du plan national au niveau de nos académies. Et donc vraiment un grand merci également à nos deux DRH qui ont élaboré dans les deux académies à travers tout un processus de concertation très étroit le plan académique dédié que nous avons validé en tout cas pour Nice à l'automne dernier. Et donc je vais passer pour terminer très rapidement la parole à notre animatrice, Madame Colombari, qui va donc animer les débats et passer la parole aux uns et aux autres. Un grand merci à toutes et tous. Merci Monsieur le Recteur, merci Monsieur Lagagné. Nous vous remercions pour cette intervention et cette introduction. Alors, afin de faire le lien avec le sujet, nous vous proposons un petit quiz qui a été conçu par le service de Madame Dehé. Donc, une première question. En quelle année en France les femmes ont eu le droit de voter? 3 possibilités, 1799, 1944, 1964. 1944. Deuxième question. À quelle date une femme mariée a-t-elle pu exercer une activité professionnelle et ouvrir un compte en banque sans autorisation de son mari? 3 possibilités de date. 1692, 1965 ou 1981. 1965. Donc les femmes ont eu la capacité juridique en 65 seulement.
Troisième question, combien de femmes ont obtenu la Palme d'Or à Cannes depuis sa création en 1939? Une très bonne réponse dans la salle. Oui, il s'agit de deux, Jane Campion et Julia Ducournau, très récemment pour Titane. Et enfin, dernière question. Combien de femmes ont été la première ministre en France? D'ailleurs, il n'y a pas de S à première. Voilà, une en 1991, et je crois que c'était 6 mois. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Madame Agnès Varna, directrice de projet pour la labellisation égalité professionnelle et diversité auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui est avec nous à distance à Paris. Alors, son intervention va porter sur l'état des lieux des inégalités entre les femmes et les hommes au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez la parole, vous avez donc 20 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Monsieur le Recteur et merci Mesdames et Messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement directrice de projet pour la labellisation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et diversité. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est pour lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, et la diversité, c'est pour lutter contre les discriminations fondées sur l'ensemble des critères. C'est une autre façon de dire la même chose. Je travaille donc à la Direction générale des ressources humaines du ministère de l'Éducation, mais qui est aussi, vous le savez, une direction transversale à nos deux ministères, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Enseignement supérieur, c'est important de le dire. Donc, de temps en temps, je ferai des petits développements ou des petites évocations du ministère de l'Enseignement supérieur. Et effectivement, je vais vous donner quelques grands chiffres pour faire une sorte d'état des lieux. Alors, je ne sais pas s'il faut parler systématiquement d'inégalité, mais en tout cas de déséquilibre, parfois persistant, mais aussi en voie de résorption grâce à l'action qu'on a commencé à mettre collectivement en œuvre. Alors, je développerai mon propos en 3 points qui sont articulés autour de l'intitulé du programme. L'intitulé du programme, c'était « Comprendre pour agir ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Eh bien, déjà, fondamentalement, on s'appuie sur des données. Donc, ça sera l'objet principal de mon développement, les principales données sexuées, c'est bien ça qui nous intéresse, du bilan social national du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, étant entendu qu'encore une fois, les grandes données sexuées, c'est à la fois un point de départ et un point d'arrivée. Un point de départ parce que ça permet d'avoir un diagnostic des inégalités ou des déséquilibres, en tout cas. Et puis, c'est aussi un point d'arrivée, puisque les bilans sociaux nationaux sont produits chaque année et que ça permet aussi de mesurer en tendance l'évolution des grands chiffres en question. Je ferai ensuite une petite évocation rapide du plan national d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a déjà été évoqué plusieurs fois dans les propos introductifs, qui est en quelque sorte le plan chapeau de l'ensemble des déclinaisons qui se font localement en académie ou dans les établissements. Et si on a le temps, on évoquera la labellisation AFNOR, qui est une démarche de certification qualité, en quelque sorte, de nos politiques et de nos travaux. Alors, pour commencer, c'est la diapo 3, les principales données sexuées sous l'angle fonction publique dans son ensemble, puis MENJIES, c'est Éducation nationale, jeunesse et sport, puis MESRI, enseignement supérieur, recherche et innovation. Alors, pour retenir, si je prends la dernière ligne de la diapo, pour arrondir un petit peu toutes ces données, on a grosso modo dans la fonction publique de l'État 2 millions de personnes. Colonne du milieu, MENJIES, tout de suite, c'est le choc, puisque plus d'un million de personnes. Voilà, donc c'est la moitié des effectifs de la fonction publique de l'État sont chez nous, au ministère de l'Éducation nationale. Et puis, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est 200 000 personnels, qui était également un point de repère dans l'ensemble de nos données. Pour la fonction publique d'État, la part des femmes, 56%. Pour l'enseignement supérieur, colonne de droite, 52%. Et puis, colonne du milieu, à nouveau, deuxième choc en quelque sorte, 73% de femmes dans les effectifs du ministère de l'Éducation nationale. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que nous sommes le ministère le plus féminisé. On est sans doute suivi de près par le ministère des Affaires sociales et quelques autres ministères fortement féminisés, mais l'Éducation nationale, véritablement, a un poids très important pour ce qui est de la part des femmes. Alors,
Diapo suivante, diapo 4. Je vais vous parler d'abord des personnels enseignants, et puis je vous parlerai ensuite des personnels non enseignants. S'agissant des personnels enseignants, bah c'est la grosse masse, entre guillemets, de nos personnels, hein, puisque sur 1,2 million, on a près de 900 000 enseignants, femmes et hommes, mais la part des femmes est prépondérante, puisqu'on a plus de 71% de femmes du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. On a évidemment moins de personnel, mais on a aussi, donc je l'ai dit, hein, 200 000, dont la moitié d'enseignants à peu près, et on a un pourcentage qui chute fortement, une part des femmes qui devient 41% pour ce qui est de l'enseignement supérieur, alors qu'encore une fois, c'est 71% chez nous, au ministère de l'Éducation nationale. Diapo suivante, page 5, on est toujours sur les personnels enseignants. Donc, on l'a dit, les femmes représentent plus de 71% des personnels enseignants pour ce qui est de l'enseignement public, hein, j'allais dire. Pour ne pas compliquer les choses, on s'en est tenu à l'enseignement public, mais ça ne change pas fondamentalement la donne si on introduit l'enseignement privé. Alors, une donnée qui me semble particulièrement intéressante et que j'aime bien répéter quand j'interviens, parce que je pense qu'elle est assez parlante et assez facile à retenir et qu'elle illustre fondamentalement les déséquilibres, si ce n'est les inégalités. C'est le fait que plus on monte dans la hiérarchie des corps et des grades, plus la part des femmes décroît. Donc là, on vous a mis quelques chiffres dans le diaporama. Donc, si on part de professeur des écoles, alors évidemment, quel que soit le niveau d'intervention de tous ces enseignants, ils sont tous indispensables au système, mais on sait quand même que plus il y a une hiérarchie qui fait que dans certains corps, on est mieux payé que d'autres, par exemple, qui explique une part des inégalités que je vais développer tout à l'heure. Mais je reviens à mon propos. Si on part de professeur des écoles, on a 84% de femmes, donc là, c'est une majorité écrasante, hein, il faut le dire. Certifié, 65%. Une première marche d'escalier qu'on descend en termes de part des femmes. Agrégé, 53%. Enseignant, professeur de chaire supérieure, donc vous savez que c'est les classes prépa, on va dire, hein, pour aller vite. 38%, donc là, on dégringole en quelque sorte. Hein. Et puis, petit éclairage sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec deux corps enseignants que vous connaissez, qui sont les maîtres de conférences et les professeurs des universités, un petit peu tout en haut de la hiérarchie. Et là, la part des femmes passe à 45% chez les maîtres de conférences, pour tomber à 28% chez les professeurs d'université. C'est quelque chose qu'on sait intuitivement, mais c'est aussi intéressant de mettre des chiffres derrière. La part des femmes varie également selon les disciplines. Si vous prenez au MENJS, si vous prenez la part des femmes parmi les enseignants, vous avez 80% des profs de lettres qui sont des femmes, 83% des profs de langue qui sont des femmes. Mais si on prend, à contrario, les professeurs d'éducation physique et sportive, pour le coup, on tombe à 42%. Et puis, tout au bout de l'échelle, la part des femmes chez les professeurs de technologie, c'est 15%. Donc, je pense que c'est assez parlant. Voilà. Alors, c'est intéressant de s'arrêter sur ces chiffres parce qu'ils nous disent déjà beaucoup de choses, ces chiffres. Ils nous parlent déjà des métiers sexués, enfin, du fait qu'une des grandes problématiques des inégalités femmes-hommes, c'est qu'il y a vraiment une forte part de métiers sexués dans notre société. Vous le savez, hein, les métiers de la santé, du social, de l'enseignement sont fortement féminisés. Et puis, tout ce qui tend vers les sciences, la technologie, etc., là, on va un petit peu plus vers le domaine des hommes. Et donc, c'est intéressant de noter que ça commence dès le primaire, puisque nos professeurs des écoles, encore une fois, sont très majoritairement des femmes. Et que donc, il y a en quelque sorte un effet de stéréotype qui joue dès le plus jeune âge. Vous avez vos enfants à l'école maternelle, ils n'ont, je caricature mais à peine, ils n'ont que des institutrices, ancien nom de professeurs des écoles. En tout cas, ils n'ont que des femmes en face d'eux. Et en tout cas, ils ont peu d'hommes, on va dire. Donc, c'est dès la maternelle que, indirectement, se fabrique l'idée que professeur des écoles dans l'école primaire, c'est un métier de femme. Voilà, et tous ces mécanismes-là jouent pour les métiers d'infirmière, d'assistante sociale, d'aide à la personne, etc.,
on n'y voit que des femmes et dans l'inconscient collectif, on en fait des métiers de femmes vers lesquels vont se diriger des femmes, alors qu'évidemment, ce sont des métiers ouverts à tous et qu'on gagne tous à avoir de la mixité dans l'ensemble des métiers. Donc, c'est un phénomène en quelque sorte qui s'auto-entretient. Et à l'autre bout de tout ça, les professeurs des universités, peu d'hommes, et idem, on entretient une sorte de stéréotype qui est que voilà, les institutrices en école maternelle et puis les grands savants des universités, ma foi, sont des hommes. Donc je pense que c'est intéressant de garder ceci en mémoire. Je souligne quand même, j'oublie parfois de le dire, mais c'est quand même très important, parce que ce plan-là, ces chiffres-là, témoignent déjà d'un renversement de tendance. Alors peut-être pas un renversement, mais tous ces chiffres sont en fait en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il est important de dire que les tendances s'affaissent un peu. Il y a beaucoup plus de maîtres de conférences femmes aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a quelques années. Il y a plus de femmes professeurs d'université. Il nous reste encore aujourd'hui, j'allais dire peut-être, à attirer les hommes sur, par exemple, les métiers de professeurs des écoles, où, encore une fois, la part des femmes reste écrasante. Et le but, c'est pas seulement de mettre des femmes dans d'autres endroits, c'est aussi d'attirer les hommes dans des secteurs où les femmes sont très, très majoritaires. Alors, diapo suivante, on est toujours sur les personnels enseignants. Je pense que ça sera une surprise pour personne non plus. Nous avons plus de femmes enseignantes à temps partiel que d'hommes. Sur l'ensemble des femmes enseignantes, nous avons 10% de femmes qui sont à temps partiel pour 3,4% d'hommes seulement qui sont à temps partiel. Je vais vous donner plusieurs données comme ça qui souvent s'articulent les unes les autres, même s'il n'y a pas toujours un effet de cause à effet direct. Le rythme de progression de carrière des femmes est moins rapide également que celui des hommes. Par exemple, le passage à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle est plus rapide pour les hommes que pour les femmes. Donc, une carrière un petit peu accélérée. Si on parle de salaire et si on parle de pension, dans le premier degré, on est toujours du côté de l'enseignement public, mais on mettrait l'enseignement privé que ça n'y changerait pas grand-chose en tendance. Le salaire net des femmes est inférieur de 9% à celui des hommes. Et dans le second degré public, toujours, il est inférieur de 7%. Et enfin, ceci expliquant pour une part cela, il y a également un écart entre les pensions moyennes des femmes, donc les retraites, hein, et les pensions moyennes des hommes, estimées à 320 euros mensuels sur l'ensemble des personnels titulaires de l'éducation nationale ayant pris leur retraite en 2019 et étant pensionnés d'un seul régime, parce qu'il y a évidemment des cas particuliers. Alors, quelques commentaires sur ces chiffres. Pour ce qui est, je vais parler un petit peu plan d'action, hein, même si j'ai prévu de vous en parler dans un deuxième temps, mais l'idée, c'est de faire un petit peu des liens quand même avec ces chiffres. Tout à l'heure, monsieur le recteur a donné les grands axes, du plan d'action national et des plans d'action locaux. Le fait d'avoir des carrières égales pour les femmes et les hommes fait partie bien sûr des axes de travail. Donc vous savez que la méthode pour mettre en œuvre les promotions, les principes directeurs, j'allais dire, pour les promotions et les avancements sont écrits dans les lignes directrices de gestion qui sont également reprises dans le plan national d'action. L'idée, c'est que il faut faire en sorte d'avoir autant de femmes promues, et d'hommes d'ailleurs, que leur présence dans la part des promouvables, mais aussi que, en tendance, on arrive à avoir des femmes promues et des hommes promus en proportion de leur présence dans les viviers, dans les corps, hein, et plus seulement dans les promouvables. Alors, pardon, c'est un peu technique si on n'a pas que des spécialistes de l'ARH dans notre public, mais l'idée, c'est véritablement qu'on a mis noir sur blanc que désormais, dans les procédures d'avancement au choix et autres, il faut prendre en compte la considération d'égalité de carrière et de faire en sorte que la part des femmes et la part des hommes se retrouvent à proportion dans les avancements de carrière. Un petit mot sur les écarts entre les rémunérations et donc les pensions. C'est un effet un peu mécanique. 7%, 9%, les pourcentages varient. Il faut simplement avoir en tête qu'il y a plusieurs effets qui jouent, hein. Il y a ce qu'on appelle l'effet de la ségrégation des corps. Donc l'idée, c'est dans un corps donné ou dans un métier donné ou dans un emploi donné, quel que soit le terme qu'on utilise, il y a une part de femmes et une part d'hommes différentes,
Et bien souvent, les métiers n'ont évidemment pas les mêmes rémunérations. Là aussi, plus on monte vers les hautes sphères de la hiérarchie, plus la part des femmes décroît, donc moins elles sont payées. Et au final, quand on fait des calculs au global, tout ça joue sur les écarts de rémunération au global. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet ségrégation des corps, la part respective des femmes et des hommes. L'effet démographique, alors là, c'est des histoires d'ancienneté. Hein. Quand vous êtes une femme, vous avez plus souvent des interruptions de carrière, donc moins d'ancienneté, donc vous avancez moins vite. Et donc finalement, les hommes se retrouvent mieux payés puisque les femmes ont pris un peu de retard, entre guillemets. Il y a l'effet temps partiel, dont on a aussi parlé. Hein. Vous êtes à temps partiel, vous gagnez moins. Et puis, l'effet consécutif qui est, pas toujours consécutif, mais parfois, qui est, si vous êtes à temps partiel, par exemple, vous ne pouvez pas prétendre aux heures supplémentaires et donc vous avez moins d'heures supplémentaires, donc moins de compléments de salaire. Voilà, bref, un ensemble, il faut retenir simplement, je dirais, un ensemble d'effets qui jouent sur cet écart de rémunération entre les femmes et les hommes et qui font que même en étant sur des carrières avec des indices, enfin, on a tendance à dire que les choses sont très très gravées dans le marbre pour les salaires de la fonction publique. Néanmoins, il y a des marges ici ou là qui font qu'à la fin, on retrouve des écarts de salaire, y compris parfois à corps, grade, métier, emploi équivalent, des petites différences qu'on appelle la part inexpliquée et qui est sans doute pour nous un axe de travail également. Je passe au personnel BIATS. Alors, les personnels BIATS, là aussi, pour les néophytes de la terminologie, je rappelle, ça veut dire bibliothèque, ingénieur, administratif, technique, sociaux et de santé. Donc, les personnels des bibliothèques, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé. Donc, pour dire les choses autrement, ce sont les personnels non enseignants. Donc, ils sont quantitativement moins nombreux que les enseignants, chez nous, bien sûr, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit de l'ordre de 900 000 enseignants et on a de l'ordre de 300 000 personnel BIATS, dans le supérieur, c'est la moitié des 200 000 à peu près. Hein. Chez nous, c'est bien moindre en proportion de enseignants non enseignants. Mais la part des femmes est encore plus importante ici, hein, puisque on a cette fois, on avait tout à l'heure de l'ordre de 72 à 73%, et là, on a de l'ordre de 80% de femmes dans les personnels BIATS, donc c'est énorme. C'est là aussi, par exemple, qu'on retrouve aussi tous les personnels AESH, hein, accompagnants des personnels, des enfants en situation de handicap, qui, un peu comme les professeurs des écoles, sont dans leur écrasante majorité des femmes. Donc c'est des corps, des métiers, des emplois qui ont tendance à alourdir la part des femmes dans ces catégories de personnel. Diapo suivante. Donc je suis toujours sur les personnels BIATS. On a dit hein, plus de 79% des personnels BIATS, ce sont des femmes. Là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour les personnels enseignants, eh bien, la part des femmes dans les effectifs varie fortement entre les filières professionnelles et à l'intérieur de ces filières professionnelles, entre les corps et métiers considérés. Donc, si je m'arrête quelques secondes sur les filières, vous prenez la filière des personnels, ce qu'on appelle ASS, administratifs, sociaux et de santé. 86%, c'est à nouveau un chiffre écrasant. Vie scolaire, les CPE, les AED, etc. 80% de femmes. Et puis, les personnels d'encadrement, alors encadrement supérieur, encadrement intermédiaire, là, on tombe à 51%. Alors, on pourrait dire certes qu'on est à parité puisqu'on est à plus de 50%. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'on est dans un ministère où la part des femmes, c'est 70%. Et c'est au regard de ça qu'il faut apprécier la part des femmes dans les personnels d'encadrement qui n'est, entre guillemets, encore que de 50%, bien qu'on ait énormément progressé. Un petit exemple sur la part des femmes par corps dans cette filière encadrement. Je vais rapidement, personnel de direction, donc les chefs d'établissement, hein, 52%, personnel d'inspection, donc les IEN, les IAIPR, donc nos inspecteurs, 51,4%, c'est toujours la part des femmes, encadrement supérieur, donc c'est recteur, vice-recteur, secrétaire général d'académie, d'AZEN, adjoint, etc., 41%. Et pour terminer cette valse des chiffres, à nouveau, on retrouve le phénomène des temps partiels dans une proportion moindre. Mais là aussi, il y a plus de femmes à temps partiel, à hauteur de 4%, que d'hommes qui ne sont que 1% à être à temps partiel. Rapidement, un tout petit commentaire sur ces chiffres. Pour dire que, encore une fois, si on prend les personnels de direction, les personnels d'inspection, on a dit 50%, grosso modo, on est à parité, mais n'oublions pas non plus que les corps viviers, là aussi, c'est 70%. Donc, on va dire,
Comment est-ce qu'on recrute un personnel de direction ou un personnel d'inspection? C'est encore très souvent, pas toujours et pas que, mais très souvent dans les corps enseignants. Or, les corps enseignants, c'est 70% de femmes. Et après, les personnels de direction, ce n'est plus que 50%, les personnels d'inspection aussi. Donc, le plan d'action s'est donné pour objectif d'augmenter la part des femmes dans les personnels de direction et d'inspection pour qu'elles soient plus en rapport avec leur part dans les corps, ce qu'on appelle les corps viviers, notamment les corps enseignants. Alors, même raisonnement pour ce qui est des personnels d'encadrement supérieur. Vous savez que là, il y a une action forte aussi du ministère. On a créé récemment une direction de l'encadrement. Dans les académies ont été créées des missions locales de l'encadrement pour véritablement avoir une politique proactive et aider les femmes à accéder à ces emplois d'encadrement. Donc, on est aujourd'hui à 40% de femmes sur ces emplois d'encadrement, mais véritablement aujourd'hui on va beaucoup plus les chercher qu'avant, et c'est quand même important de souligner que même si c'est pas encore assez, on a gagné 10 points par rapport à 2015, hein, donc c'est-à-dire il y a moins d'une dizaine d'années, on était à même pas 30% de femmes, aujourd'hui on est à 40%, donc là aussi effet du plan d'action, enfin quand je dis effet du plan d'action, effet des politiques mises en œuvre pour aider les femmes à atteindre les sphères de l'encadrement qui étaient un petit peu leur plafond de verre. Je me permets de reprendre la main. Il vous reste quelques minutes pour conclure. Merci beaucoup. Alors, je vais conclure. Donc, sur les personnels BIADS, à nouveau, donc je termine juste en disant qu'on a un écart de rémunération qui est encore plus important. 25%, c'est juste énorme, en fait. Hein, mais ça s'explique beaucoup par cette différence de corps. Hein, beaucoup de femmes dans les emplois les moins rémunérés, moins de femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Et puis, après, donc j'avais prévu de vous parler, mais très peu, parce que je savais que vous alliez le faire de votre côté, du côté des académies. J'avais prévu de vous parler du plan d'action et de la labellisation. Je vais le faire en forme de conclusion. Donc, l'idée, c'est bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces chiffres, en quelque sorte, et notamment ce bilan social qui, à partir de cette année, va s'appeler RSU, un rapport social unique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de départ et c'est un point d'arrivée. Quand je dis un point de départ, c'est que c'est en s'appuyant sur les chiffres du bilan social qu'on a aussi construit quelques actions du plan national d'action. Et ça nous permet chaque année de mesurer l'évolution. Monsieur le recteur tout à l'heure a donné les grands axes, hein, gouvernance, les grands axes du plan d'action, gouvernance, accès aux métiers, responsabilité, articulation vie pro, vie perso, lutte contre les violences au quotidien. Avec, il faut simplement retenir que ce plan, le plan national, c'est un plan chapeau parce qu'il se décline sur le territoire, à la fois dans les académies, mais aussi dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se décline selon des modalités différentes, mais le plan national d'action a vraiment vocation à être un document, en quelque sorte, d'orientation stratégique que les académies sont invitées à enrichir de tous leurs enjeux et leviers locaux. Et un dernier mot pour terminer sur la démarche de certification AFNOR, qui est, je crois que ça a été évoqué, me semble-t-il, également dans le propos introductif, qui est une démarche dans laquelle tous les ministères sont aujourd'hui engagés et qui vise à faire certifier par un organisme indépendant et extérieur, qui s'appelle l'AFNOR, la qualité de leur politique mise en œuvre au profit de l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment ça se manifeste? Eh bien, ce sont des audits qui sont produits par l'AFNOR sur place. L'AFNOR envoie des équipes d'auditeurs qui viennent voir ce qu'on dit, ce qu'on fait, si ce qu'on fait est conforme à ce qu'on dit et si ce qu'on dit est conforme à ce qu'on fait dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous avons eu un audit en novembre 2021 qui a été considéré comme satisfaisant. Nous poursuivons la démarche et il faut savoir que cette démarche de certification, elle donne lieu à des audits tous les 2 ans, et c'est en ce sens-là qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. De la même façon qu'on aura des plans triennaux qui seront produits régulièrement tous les 3 ans et actualisés, de la même façon, nous avons jusqu'à nouvel ordre des audits tous les 2 ans qui viendront vérifier encore une fois que on dit des choses et on fait des choses et que si possible les deux sont raccords. Voilà, merci de votre attention en espérant n'avoir pas trop dépassé mon temps de parole. Alors, merci beaucoup, Madame Varna. Nous avons dans le chat plus de commentaires que de questions, à vrai dire. Donc, un premier commentaire, le nom même de l'école maternelle est genré. Hein, alors, on peut tendanciellement dire école pré-élémentaire ou école élémentaire. Un deuxième commentaire, chez les perdirs, il faut distinguer les chefs des adjoints. On s'aperçoit qu'il y a plus de femmes adjointes que des femmes chefs. Et quand elles le sont, elles sont plus principales que proviseurs. Alors, absolument. Une question,
Comment est-il possible d'avoir des écarts de salaire avec des grilles salariales? Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas de façon suffisamment explicite. J'allais dire, les données qu'on a sont des données consolidées par corps, par filière, par métier et appellent évidemment des analyses très fines à chaque fois. Mais il y a au moins trois effets qui jouent. Je dis bien au moins parce qu'il y en a plus. Il y a un effet quand vous consolidez en quelque sorte des chiffres qui concernent différentes catégories de personnel, vous consolidez un peu des choux et des carottes, c'est-à-dire des personnels à temps partiel, des personnels qui ne sont pas à temps partiel, des personnels sur des catégories, sur des emplois moins payés, des personnels sur des emplois plus payés, et quand vous consolidez, au bout du bout, vous avez des différences de salaire qui s'expliquent notamment par la part des femmes dans tel emploi, tel métier, telle filière, la part des femmes dans le temps partiel, et puis il y a un effet aussi sur indemnités et primes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Merci, merci beaucoup Madame Varna pour votre intervention et merci également à celles et ceux qui ont posé des questions. Nous allons maintenant donner la parole à Isabelle Régnier, professeure des universités de psychologie cognitive, vice-présidente d'Aix-Marseille Université, en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Son thème d'intervention aujourd'hui est « Influence des stéréotypes de genre sur les performances cognitives et les décisions de recrutement ». Vous avez, Madame Régnier, 45 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Pour rebondir un petit peu sur les mots de Monsieur le Recteur tout à l'heure et puis l'intervention de Madame Varna à l'instant, en effet, les stéréotypes de genre ont une influence considérable sur toutes les inégalités que nous observons aujourd'hui à différents niveaux. On parle beaucoup effectivement de plans d'action, puisque ce sont des injonctions au niveau national, également au niveau européen, et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Alors ces injonctions, elles sont fondamentales, elles vont permettre des avancées considérables, mais quand on parle de plans d'action, on parle également de contenu. Que mettons en place en termes d'action? Sous quelle forme et à destination de qui? Eh bien à ce sujet, je considère que la recherche sur les stéréotypes de genre et leur influence sur le fonctionnement cognitif peuvent nous donner des pistes concrètes d'action à déployer en fonction des publics. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui avec finalement une petite forme d'action de formation et vous me direz ce que vous en pensez. Alors d'abord, mettons-nous d'accord sur ce dont nous parlons quand nous parlons de stéréotypes. Les stéréotypes sociaux, ce sont des croyances qui sont partagées à des degrés divers dans une société, dans une culture. À propos de quoi? À propos de caractéristiques qui seraient partagées par des individus en raison de leur appartenance groupale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, s'agissant des stéréotypes de genre, nous avons tendance à considérer que les hommes, vous messieurs, vous seriez plutôt compétitifs, tous audacieux, tous rationnels, bons en mathématiques, mais mauvais en lecture, mauvais en gestion des relations interpersonnelles et en termes de gestion des situations affectives. En revanche, on considère que les femmes, nous, mesdames, nous serions plutôt réputées donc pour notre sensibilité, notre émotivité, notre compétence, nos compétences en lettres, mais en revanche, nos incompétences en mathématiques, en logique, en orientation spatiale, nous ne savons pas lire les cartes routières, c'est bien connu, et bien sûr, nous manquerions de capacité au leadership, d'où d'ailleurs notre absence au poste à responsabilité, dont Madame Varna vient de nous donner des exemples flagrants en termes de chiffres, et les données sont têtues, elles ne mentent pas, n'est-ce pas? Alors, je vais vous présenter quelques exemples de la recherche sur le sujet, et pour cela, juste un petit cadre. La recherche sur les stéréotypes de genre, elle s'inscrit dans un cadre disciplinaire et théorique qui est bien spécifique, en tout cas celui dans lequel je me positionne du fait de ma discipline d'appartenance, à savoir la psychologie sociale et cognitive. Pourquoi sociale et cognitive? Sociale parce qu'on s'intéresse à l'influence du contexte social au sens large du terme sur l'individu et les groupes, et cognitive parce qu'on se situe dans une démarche théorique de traitement de l'information, c'est-à-dire que l'on considère que l'individu est un système de traitement de l'information et que le contexte social dans lequel il se trouve est de nature à influencer la façon dont il ou elle va traiter l'information. Ça s'appelle la régulation sociale des fonctionnements cognitifs. Derrière tout cela, il y a une vaste littérature scientifique internationale avec une démarche
de méthodologie de la recherche qui est spécifique, qui est celle notamment de la méthode expérimentale, donc la démarche expérimentale, où nous comparons donc des groupes qui sont placés dans des conditions différentes et la différence est liée à la variable que l'on manipule pour comprendre l'effet causal sur le comportement humain. La plupart des études ont été réalisées en laboratoire, mais pas toutes. De plus en plus, elles sont réalisées en situation de classe, ou en situation, on va dire, de terrain, et donc de recrutement également, et de situation réelle de promotion. Et enfin, l'ensemble des travaux que je vais vous présenter ici, et des résultats notamment, ont tous été passés à la moulinette des analyses statistiques sophistiquées. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter sont ce que l'on appelle statistiquement significatifs. Pour une meilleure visibilité des graphiques, il va m'arriver de vous présenter des graphiques avec un axe à l'ordonnée tronqué, mais l'ensemble des résultats sont significatifs et l'ambition est juste de permettre une meilleure visibilité. Donc l'influence des stéréotypes, il y a deux ensembles de travaux sur le sujet. Un premier ensemble de travaux permet de comprendre comment ces stéréotypes sont de nature à influencer les performances cognitives des individus qui sont les cibles de ces stéréotypes. Ici, en l'occurrence, les femmes dans les domaines scientifiques ou, par exemple, les garçons dans le domaine de la lecture. Ces travaux, connus sous le nom de menaces du stéréotype, ont permis de montrer et de comprendre que ces stéréotypes, encore aujourd'hui, sont puissants au point d'influencer la façon dont les individus vont s'auto-évaluer en termes de niveau de compétence dans un domaine donné. Mais également, ces stéréotypes sont de nature à entraver les apprentissages de nos enfants, de nos élèves, de nos étudiants et de nos étudiantes. Et plus encore, ces stéréotypes peuvent empêcher les individus de produire une performance à la hauteur de leurs compétences réelles. D'où d'ailleurs la nécessité de faire la différence entre performance et compétence, puisque ce que nous observons à l'issue des examens, c'est une performance, c'est un score à un examen, à un test. On en déduit de cette performance un niveau de compétence. Parfois, on se trompe, on infère d'une bonne compétence, d'une bonne performance, une bonne compétence, ou d'une mauvaise performance, une incompétence, eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Un deuxième ensemble de travaux s'intéresse cette fois-ci à l'influence de ces mêmes stéréotypes sur les personnes qui en sont porteuses. Porteuses, entre guillemets, cela signifie que certes, nous avons un stéréotype qui est stocké dans notre mémoire. Pourquoi ? Parce que nous le connaissons du fait de notre vie en société, et notre société est saturée en stéréotypes, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous y adhérons, c'est-à-dire que nous sommes d'accord avec. Mais en fait, peu importe notre degré d'adhésion à ces stéréotypes, les travaux montrent que ces derniers sont puissants au point d'influencer la façon dont nous percevons autrui, au niveau notamment de ses compétences dans un domaine particulier, et donc ces stéréotypes vont pouvoir influencer nos décisions en termes de recrutement et de promotion. Ces travaux sont connus sous le nom de biais implicites de genre, encore effet de discrimination. Le point commun entre ces deux ensembles de travaux, c'est qu'ils partent du principe, mais démontré bien évidemment depuis un moment maintenant, que ces stéréotypes font l'objet, en tout cas peuvent faire l'objet, d'une activation automatique en mémoire du fait d'un certain nombre d'indices présents dans notre environnement. Et cette activation automatique en mémoire, eh bien, elle est responsable de leur influence, bien souvent à notre insu, sur nos propres comportements. Pour faire comprendre ce que ça veut dire, activation automatique en mémoire, je vous propose un petit jeu. Des stimuli vont apparaître au milieu de l'écran. La tâche qui est la vôtre est la suivante, et je vais vraiment demander votre participation active, donc il va falloir répondre à haute voix, bien fort pour que je vous entende, et bien vite, c'est une tâche de rapidité, d'exactitude, donc il ne faut pas vous tromper. Un stimulus va apparaître dans une couleur donnée, vous devez dire le plus rapidement possible et sans vous tromper le nom de la couleur de l'encre. Alors les couleurs sont très basiques, hein, alors il faudrait mieux regarder votre écran, j'ai peur qu'ici ça ne marche pas bien avec la projection. Les couleurs sont basiques, hein, c'est bleu, jaune, vert, rouge, noir, d'accord? Et très rapidement, il faut dire la couleur. On y va? Le. Alors en fait, j'ai oublié de vous donner une information importante, ce n'est pas un jeu, en réalité c'est un vrai test neuropsychologique qui est utilisé dans tous les hôpitaux de France pour détecter notamment la maladie d'Alzheimer en phase précoce. Donc ce test normalement mesure le temps de réponse en millisecondes, si vous répondez aussi lentement que cela, je crois que je vais appeler le professeur Secaldi à la Timone et vous prendre un rendez-vous, d'accord? Donc on recommence si vous voulez bien, c'est bien, on continue. Bleu. Noir. Jaune. Bleu. Très bien. Bon, je pense que vous avez compris.
Donc, quand il y a l'écran en jaune, ça va assez vite, il n'y a pas de problème. Vert et crayon vert, tout va bien, il n'y a pas de conflit de réponse. Là où il y a une petite difficulté, c'est pour rouge et crayon bleu. Donc, vous avez bien compris que la bonne réponse ici, c'était de dire bleu. Sauf que votre mémoire, elle a déclenché une réponse automatique qui est de faire quoi ? De lire. Et pourquoi ? Parce que vous êtes ce que l'on appelle des normolecteurs. Et c'est normal, vous avez automatisé l'activité de lecture. Vous l'avez tellement apprise, vous êtes tellement entraîné lorsque vous étiez plus jeune, vous ne vous souvenez pas, mais ça a été difficile l'apprentissage de la lecture. Il a fallu beaucoup de répétitions pour y arriver, beaucoup d'entraînement. Et donc, vous avez réussi à automatiser cette activité. Si bien que lorsque vous voyez un mot qui apparaît dans votre langue maternelle, eh bien, votre mémoire ne vous demande pas votre avis, elle déclenche automatiquement une réponse qui est de lire le mot. Or, comme là, vous avez compris que ce n'était pas lire le mot qu'il fallait faire, puisque ça entraîne ici une mauvaise réponse, d'ailleurs, c'est intéressant, hein, ça veut dire que des réponses automatiques peuvent être erronées. Alors, de deux choses l'une, soit on comprend qu'elle est erronée et on met du contrôle et on l'inhibe, soit on n'a pas compris qu'elle était erronée et on se laisse piloter par la réponse automatique. Donc, certes, vous avez mis du contrôle pour vous éviter de lire le mot, mais vous avez mis plus de temps pour répondre que pour dire vert écrit en vert. Ça se joue en quelques millisecondes, mais là, c'est extrêmement facile. Imaginez avec les stéréotypes, dans des situations bien rodées, où il s'agit d'évaluer le niveau de compétence d'un individu, homme ou femme, en fonction de la discipline, maths. Qu'est-ce qui vient à l'esprit ? Maths, homme. Ben, femme, ça vient juste après. Mais donc, c'est derrière. Prenons quelques exemples par rapport aux deux ensembles de travaux que j'évoquais tout à l'heure. Tout d'abord, l'effet de menace du stéréotype. Ces travaux nous viennent des États-Unis d'un chercheur qui s'appelle Claude Steele, qui est enseignant à l'université de Stanford. Claude Steele s'est intéressé très tôt à l'effet des stéréotypes, non pas d'abord sur les femmes en maths ou en sciences en général, mais sur les Afro-Américains, sur les tâches d'intelligence verbale. Et vous savez qu'évidemment, aux États-Unis, les Afro-Américains sont en difficulté académique très tôt et ça continue à l'université. Pour Claude Steele, tous ces individus qui appartiennent à des groupes stigmatisés, c'est-à-dire qui font l'objet de stéréotypes négatifs sur leurs compétences dans un domaine particulier, eh bien en fait, peuvent être gênés justement au moment d'évaluation avec un fort enjeu par ces stéréotypes activés automatiquement en mémoire. Et l'idée est la suivante, à chaque fois qu'un individu ciblé par un stéréotype négatif envers son groupe d'appartenance se retrouve dans une situation d'évaluation qui mesure ces compétences-là ciblées par le stéréotype, eh bien cet individu va se retrouver dans une situation de menace du stéréotype qui, par activation automatique du stéréotype négatif, il est négatif, il porte bien son nom, ça veut dire qu'il prédit une infériorité de performance de par son appartenance groupale, donc des pensées interférentes, une exacerbation de l'évaluation, du stress, de la peur de l'échec, va tourner en boucle chez ces individus, donc c'est un stress supplémentaire par rapport à un stress normal que n'importe quel individu va ressentir face à un test difficile. La conséquence, c'est qu'une partie importante de notre mémoire, celle que vous avez utilisée tout à l'heure pour inhiber la lecture automatique, c'est la mémoire de travail. C'est cette partie de notre mémoire qu'on utilise pour résoudre des tâches complexes et pour prendre des décisions complexes, comme des décisions de recrutement, par exemple. Eh bien, cette partie de notre mémoire, la mémoire de travail, eh bien, va être détournée de son travail principal, qui est de résoudre la tâche, puisqu'elle va essayer de mettre de côté toutes les pensées interférentes et le stress et les émotions déclenchées automatiquement par le stéréotype en mémoire, n'étant pas entièrement allouée à la tâche à résoudre. La conséquence est une contre-performance. La toute première démonstration de cette hypothèse de menace du stéréotype a été publiée en 1995, donc sur les Afro-Américains en comparaison à leurs homologues d'origine caucasienne. Donc des étudiants de bon niveau ont été sélectionnés à l'université de Stanford. Il leur a été proposé un test très difficile, un vrai test d'intelligence. Sauf qu'à la moitié des participants, le test était présenté pour ce qu'il est, un test d'intelligence complexe qui va nous permettre d'évaluer vos compétences intellectuelles. Et à l'autre moitié des participants, le même test était présenté comme un test de résolution de problème. Bilan des performances, dans la condition dite standard où le test est présenté comme un test d'intelligence, les Afro-Américains sont en difficulté par rapport à leurs homologues d'origine caucasienne. Ils réussissent moins bien le test et la différence est significative. Cette différence s'annule lorsque le test est présenté comme un test de résolution de problème et vous voyez la meilleure performance des Afro-Américains grâce à cette différence de consigne. Très rapidement ensuite, les chercheurs ont essayé de savoir si cet effet-là était reproductible sur un autre stéréotype, le stéréotype de genre en mathématiques, donc vis-à-vis des femmes. Des étudiantes de l'université de Stanford, fortes en mathématiques, ont été sélectionnées avec également des étudiants de la même université, recrutés pour leur même niveau de compétence en mathématiques. Des exercices très difficiles du SATEM leur ont été proposés. Le SATEM, c'est un test standardisé de maths qui est utilisé aux États-Unis pour sélectionner les étudiants et les étudiantes à l'entrée université ou pour les faire passer dans les classes avancées de maths.
Ce test est présenté aux étudiants et aux étudiantes, soit pour ce qu'il est, test de mathématiques très complexe qui va nous permettre d'évaluer vos compétences en maths, ou alors à l'autre moitié des étudiants et des étudiantes, également comme un test de mathématiques difficile, mais une petite phrase était rajoutée. En fait, sur le test de maths que vous allez faire aujourd'hui, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. Une petite phrase, juste une petite phrase qui prend une seconde et qui a pour objectif de rendre le stéréotype non pertinent pour le test à venir. Résultat, sans la petite phrase, c'est-à-dire en consigne standard, il y a effectivement un écart significatif entre hommes et femmes. Cet écart s'annule et devient donc non significatif dans la condition où la petite phrase est rajoutée. Il ne vous aura pas échappé que la performance des hommes est un petit peu moins bonne lorsqu'il y a la petite phrase. La différence n'est pas statistiquement significative dans cette étude. Elle l'est dans beaucoup d'autres. Les méta-analyses, en tout cas, le révèlent. Et d'autres travaux en neurosciences ont permis de comprendre pourquoi. Eh bien, parce que la petite phrase de falsification, eh bien, vient gêner les hommes dans cette condition. Elle tourne en boucle et elle génère du stress qui n'existe pas sans la petite phrase. D'où la petite contre-performance chez les hommes. Donc, vous voyez, ça ne tient à pas grand-chose, finalement. Face à un même test, une phrase peut changer la donne, peut changer les performances. Et pourtant, tous les jours, on tire des conclusions sur le niveau de compétence de nos élèves ou de nos étudiants. Sans s'interroger sur le contexte et l'influence du contexte des examens, ou des oraux, ou des recrutements. Tout ça se décèle très très tôt. Avec mon collègue Pascal Huguet, nous sommes intéressés à l'existence de ce phénomène chez les élèves de 6e, 5e. Et notre intérêt n'était pas anodin, parce que vous le savez bien, tous et toutes très bien ici, qui réussit le mieux à l'école jusqu'à la fin du collège, dans toutes les matières, y compris en maths. Et fini. Meilleure moyenne trimestrielle. C'est sans appel. Est-ce à dire que le stéréotype de genre n'est pas connu des filles, pas connu des garçons, ou en tout cas pas à cet âge? Alors, on avait déjà la réponse à cette question. Bien d'autres travaux avaient montré que les élèves, les enfants dès l'âge de 4-5 ans connaissent les stéréotypes. Ils ne vont pas les formuler comme on le fait là maintenant, mais ils les connaissent. Ils sont capables de dire que tel jouet, c'est pour les filles, tel jouet, c'est pour les garçons, telle profession plus pour les femmes, telle autre plus pour les hommes, etc. Donc, ils les connaissent. Mais l'influence se manifeste-t-elle ou pas? Nous avons choisi un test complexe, qui est une adaptation ici de la figure de Ray, qui n'est pas du tout un test de géométrie, mais qui est en tout cas non familier pour les élèves de 6e, 5e. Et l'intérêt de ce petit test, c'est qu'on peut faire croire, jusqu'à la classe de 5e en tout cas, que c'est soit, ça peut être soit un test de géométrie, soit un test de dessin. Et c'est effectivement la seule différence qui va être proposée aux classes, qui ont été tirées au sort pour savoir si on présente le test comme étant de la géométrie ou du dessin. Quand on dit test de géométrie, eh bien les filles sont en difficulté par rapport aux garçons. Lorsqu'on dit test de dessin, c'est strictement l'inverse qui se produit. Ça se joue à pas grand-chose. Un mot. Pourtant, le test est le même. On n'a rien changé à la difficulté intrinsèque du test qui reste la même dans les deux cas. Nos filles dans les grandes écoles d'ingénieurs, après tout, elles ne sont que très peu nombreuses, entre 10 et 25%, tout dépend des grandes écoles. Mais bien souvent, elles sont majeures de promo. C'est ce que nous disent les directeurs ou directrices des écoles. Est-ce à dire que si elles ont réussi à être présentes et à être en réussite dans ces écoles, elles ont mis en place des stratégies permettant de résister à l'influence des stéréotypes? Pas sûr. Si on prend un exercice là aussi très complexe, non familier, qui est le test des matrices progressives avancées de Raven, qui est un test de raisonnement fluide, ce qui veut dire que pour le résoudre, il ne sert à rien d'aller chercher des stratégies de résolution déjà stockées en mémoire, on ne les y trouvera pas, puisqu'il faut réinventer la règle quasiment à chaque matrice, puisque celle-ci va changer. Il faut compléter le carré en haut par la matrice, par le petit élément, parmi les 8 qui correspond le mieux. Et comme je vous dis, la règle change à chaque fois. Ce test est présenté à la moitié des étudiants et des étudiantes comme un test de raisonnement logique, très difficile, et à l'autre moitié, la même chose, mais on rajoute la petite phrase pour falsifier le stéréotype momentanément sur le test à venir. Que se passe-t-il? Ah oui, vous avez trouvé la bonne réponse, c'était celle-ci, je n'en doute pas. Que se passe-t-il? Conditions standard, sans la petite phrase, alors... C'est un score d'exactitude, vous multipliez par 100, vous avez le pourcentage de réussite. Tout le monde est en réussite, on est au-dessus de 70%. D'ailleurs, je n'avais jamais eu des résultats aussi élevés à ce test-là. Mais enfin, quand même, il y a un écart de plus de 10% sur la réussite dans la condition standard, sans la petite phrase. Et on inverse encore une fois les performances entre hommes et femmes avec la petite phrase, qui, je le rappelle, prend une seconde à dire. Je change un petit peu d'illustration pour vous montrer à quel point ces stéréotypes sont dans l'air et que le fait d'être dans une atmosphère un petit peu sexiste, même subtile, peut entraver les performances des femmes
et par exemple des femmes ingénieures dans le milieu professionnel, puisqu'on en parle souvent, on parle souvent quid du milieu professionnel avec une atmosphère un petit peu trop sexiste. Ici, les auteurs, avant de présenter des tests difficiles à des femmes, les ont exposés à une interaction en fait avec un acteur homme qui était programmé, on va dire, selon un scénario très particulier, à avoir soit une interaction sexiste, mais de façon subtile, soit une interaction non sexiste avec des femmes ingénieures. Eh bien, voici les effets sur les performances. Vous avez sur la gauche les performances des femmes à un test de maths, donc qui est donc en rapport avec le stéréotype de genre, qui vient d'être activé par l'interaction sexiste, ou alors un test d'intelligence verbale qui, lui, n'est pas concerné par le stéréotype, puisqu'en principe, sur les tests d'intelligence verbale, elles ont plutôt des performances supérieures à celles des hommes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en effet? L'interaction sexiste détériore la performance puisque déstabilise manifestement les femmes au niveau de leur performance au test de maths, ce qui n'est pas le cas au niveau du test de l'intelligence verbale. Quelques petites précisions importantes sur ces effets avant de conclure sur cette partie. Il est important pour comprendre les effets de ces stéréotypes de bien distinguer la connaissance d'un stéréotype et l'adhésion au stéréotype. Il ne suffit pas de ne pas adhérer à un stéréotype pour ne pas en être victime au niveau de ses performances. En fait, tous les travaux montrent que la simple connaissance des stéréotypes suffit pour entraîner les effets sur les performances que vous venez de voir. D'ailleurs, les femmes ingénieures sont elles-mêmes des contre-exemples du stéréotype. Eh bien, vous voyez qu'elles peuvent également faire les frais de cette menace du stéréotype dès lors que la situation s'y prête, c'est-à-dire lorsqu'elles sont dans une situation d'évaluation non familière sur un test très difficile ou la mémoire de travail va être saturée par les pensées interférentes et donc va les empêcher de produire une performance à la hauteur de leurs compétences. Je l'ai dit tout à l'heure, il est important de distinguer performance et compétence. Et là encore, les travaux montrent que tout individu peut être victime de l'effet de menace du stéréotype dès lors que la situation s'y prête, et notamment aussi dès lors que les individus accordent une grande importance au domaine de compétence qui est ciblé par le stéréotype. Et enfin, l'effet de menace du stéréotype s'observe principalement sur les tests difficiles, et ça se comprend, lorsque le test est trop facile, eh bien on peut compenser, ce qui est très bien d'ailleurs, et d'ailleurs ce qui explique pourquoi jusqu'à la fin du collège, voire milieu du lycée, on n'observe pas sur les moyennes trimestrielles les effets de la menace du stéréotype chez les filles dans les domaines disciplinaires scientifiques, puisqu'elles arrivent à compenser l'effet de menace du stéréotype. Donc ça veut dire qu'elles réussissent aussi bien ou mieux que les garçons à cet âge-là, en dépit d'un obstacle social et culturel qu'elles arrivent à gérer, mais qu'elles n'arrivent plus à gérer une fois que tout devient beaucoup trop complexe. Alors, il y avait beaucoup de travaux ensuite pour essayer de trouver des solutions pour contrer en fait les conséquences négatives de ces effets des stéréotypes. Donc, on l'a vu, une phrase de falsification permet en effet, juste avant le test, de permettre aux femmes, aux filles, d'obtenir des performances à la hauteur de leurs compétences réelles. Ce que je viens de faire à l'instant, expliquer ce qu'est l'effet de menace du stéréotype, cela a été testé auprès d'étudiantes et d'étudiants en mathématiques, et bien le fait d'expliquer ce phénomène-là permet aux étudiantes de mieux gérer l'effet de menace du stéréotype et de résister à ses effets. Également, ça aussi vous le connaissez, mettre en avant des modèles féminins de réussite en sciences permet, si l'identification est possible avec les élèves, eh bien de s'affranchir des conséquences de ces stéréotypes. Par contre, je vous le dis tout de suite, tous les modèles féminins de réussite en sciences ne sont pas bons à mettre en avant. Arrêtons de parler de Marie Curie. C'est très bien que tout le monde connaisse Marie Curie, mais Marie Curie ne va pas être un bon modèle de réussite pour les filles et les femmes en sciences. Elle est trop morte, Marie Curie. Passons à la deuxième catégorie de travaux sur l'effet de menace du stéréotype. Des effets des stéréotypes, cette fois-ci, sur les jugements et les décisions. Alors, pour comprendre cette deuxième partie des travaux, de quoi parle-t-on quand on parle de biais implicites de genre? J'ai essayé de vous le faire comprendre avec la petite tache de Stroop tout à l'heure, avec le nom des couleurs. Les stéréotypes, en fait, dans la mesure où on est exposé depuis très longtemps, depuis notre plus tendre enfance, et qu'encore aujourd'hui, tous les jours, il y a des indices de récupération de ces stéréotypes dans notre vie quotidienne, dans les manuels scolaires, vous allez les trouver encore, malgré les efforts qu'ont pu faire les éditeurs, mais vous allez les trouver, et vous n'aurez pas besoin de chercher bien longtemps. Les médias sont saturés de stéréotypes. Les propos de beaucoup de collègues, hommes comme femmes, sans qu'ils s'en rendent compte, sont saturés de stéréotypes. Ce sont donc des automatismes puissants qui ont été acquis au fil du temps. Et pourquoi ce sont des automatismes? Parce que c'est lié au fonctionnement de notre mémoire. D'ailleurs, déculpabilisons tout le monde tout de suite.
C'est pas mal en soi d'avoir des automatismes. C'est le fruit d'un fonctionnement normal de notre mémoire. Notre mémoire, elle marche comment ? Elle engrange, elle crée des automatismes en fonction de la récurrence d'exposition aux informations. Plus on est exposé de façon récurrente à des informations, plus on va créer des automatismes. C'est la raison pour laquelle, si je vous dis table, il y a chaise qui arrive tout de suite. Ciel, bleu. Parce qu'en plus, ça fonctionne par association, notre mémoire. Donc, elle associe ensemble les choses qui vont ensemble. Ben, qu'est-ce qui va bien ensemble dans nos sociétés, dans les cultures depuis très longtemps ? Ben, c'est hommes et sciences, et femmes et lettres. Donc ça serait bien si on arrivait à créer notre automatisme, hein ? Femmes et sciences. Et donc, en raison de ce caractère automatique des stéréotypes, eh bien, ils vont influencer nos évaluations au sujet de nos compétences d'autrui sans nécessairement qu'on se rende compte de cela. Vous avez un test qui est très connu aujourd'hui, même s'il y a des petites bêtises qui sont racontées dessus, c'est le test des associations implicites. C'est un test qui a été créé aux États-Unis par Anthony Greenwald et ses collaborateurs, qui est basé sur le fonctionnement de la mémoire sémantique en termes d'association entre concepts. Et donc, c'est un test qui permet de mesurer la force d'ancrage en mémoire des stéréotypes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous tester, je vous invite à le faire. Vous pouvez consulter le site d'Anthony Greenwald. Il y a un petit questionnaire juste avant, vous pouvez le zapper et aller directement au test. Vous allez voir, c'est un test très très simple, où il suffit de classer des mots dans des catégories, mais le plus vite possible et sans se tromper. Et vous verrez, il y a des moments où on le sent, c'est un petit peu plus difficile. Et bien, quand c'est un petit peu plus difficile, et bien, c'est peut-être la signature que vous avez le stéréotype qui est bien ancré en mémoire. Je vous rassure, moi, je suis très positive au test. Hein, donc, la plupart du temps, on l'est tous, à des degrés plus ou moins importants. Tout va dépendre, en fait, de notre socialisation, de l'environnement dans lequel on a grandi, on a évolué, et finalement, de notre exposition à des modèles féminins de réussite, que ce soit en sciences, même plus généralement, dans notre société, exposé à des modèles féminins de réussite, en politique, par exemple, ou à des postes élevés, chefs d'entreprise. Première démonstration de la discrimination de genre envers les femmes. Parce qu'on dit toujours, mais comment on fait pour démontrer qu'il y a vraiment une discrimination ? Que le fait d'avoir choisi un homme plutôt qu'une femme, c'est bien reflet d'une discrimination, et pas le fait que quand même, soyons sérieux, il y avait une vraie différence quand même. Elle était peut-être subtile, mais elle était là, la différence et l'avantage de monsieur par rapport à madame. Eh bien, on tranche avec une expérimentation. Elle est connue, le CV de John Jennifer, l'équipe de Moss Rasmussen, publication en 2012, PNAS. 127 professeurs des universités américaines rompus à l'exercice hein, de recruter des hommes et des femmes dans leurs universités, donc des départements de biologie, chimie, physique. Les recruteurs ici sont des hommes et des femmes qui ont l'habitude de faire cela régulièrement au sein de 6 universités prestigieuses aux États-Unis. Ces évaluateurs et évaluatrices devaient se prononcer sur une candidature à un poste dans un laboratoire de sciences pour gérer un projet de mentorat envers les étudiants et les étudiantes, les doctorants et les doctorants. Et donc, chaque évaluatrice recevait de façon randomisée un CV qui était présenté soit comme étant le CV de John, soit comme étant le CV de Jennifer. Mais le CV était strictement le même. Si vous avez un petit moment, vous pourrez le lire. Donc, la seule différence, c'est que ce CV est présenté soit comme celui de Jennifer, soit celui de John. Ça veut donc dire qu'à part le sexe, il n'y a aucune autre différence, aucune autre variation, donc aucun autre élément objectif qui pourrait être utilisé pour justifier une différence d'évaluation ou de décision. On soit d'accord. Grille d'évaluation sur la compétence, l'intention de recruter et le mentorat qu'on va accepter d'accorder à la personne qu'on va recruter. Voici les résultats des évaluateurs, donc des évaluateurs hommes. Comme vous le voyez, sur l'ensemble des critères, ils ont évalué plus positivement le CV de John que le CV de Jennifer. Donc John est considéré comme plus compétent que Jennifer, comme méritant davantage d'être recruté que Jennifer, et comme étant plus digne de recevoir du mentorat de la part des seniors chercheurs du laboratoire que Jennifer. À votre avis, quels sont les résultats pour les évaluatrices, donc les femmes qui ont procédé aux mêmes évaluations ? Eh bien, pas de différence. Les femmes, elles aussi, privilégient sur tous les critères le CV de John. Et on retrouve exactement les mêmes effets sur l'estimation du salaire annuel. Et d'ailleurs, c'est sur cette estimation du salaire annuel que les différences entre le CV de John et de Jennifer sont les plus importantes.
Je vous le rappelle, dans cette situation, il n'y a qu'un seul élément qui diffère, c'est le sexe du CV, de la personne que l'on évalue. Toute chose était égale par ailleurs. Alors ça, c'était en 2012. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est la question que se sont posées également Moss Rakusin, ses collaborateurs. C'est la même équipe en 2020, aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve ces effets de discrimination à l'encontre des femmes ? Et la question est intéressante parce qu'elle est un petit peu plus poussée ici. La question est la suivante. Est-ce que lorsque la parité est atteinte, il y a toujours de la discrimination de genre à l'encontre des femmes ? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui avec les quotas. Il y a la parité installée maintenant dans beaucoup de comités décisionnels. La parité étant atteinte, il n'y aura plus de discrimination. Arrêtons-nous là. Pourquoi faisons-nous des plans d'action si la parité est là grâce aux quotas? Tout va bien. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les quotas. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai fait. Mais la question est-ce que quand il y a parité, est-ce qu'il n'y a plus de problème? Eh bien, ils ont interrogé, là encore, hein, des recruteurs et hommes et femmes hein, qui ont l'habitude de faire ce travail-là. Pour une profession très particulière, qui était intéressante du point de vue de la question, c'est vétérinaire. Puisque pendant très longtemps, c'est une profession et une discipline qui ont été marquées par la sous-représentation des femmes. Mais depuis quelques années, une petite dizaine d'années, la parité est atteinte et elle est stabilisée. Donc, est-ce que dans cette profession où la parité est stabilisée, est-ce qu'il n'y aura plus de différence d'évaluation d'un CV, donc plus de discrimination de genre à l'encontre des femmes? C'est une vraie question. Et ils ont interrogé également les évaluateurs et les évaluatrices sur ce qu'ils pensaient, ce qu'ils et elles pensaient du lien justement entre parité et discrimination. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux catégories d'évaluateurs et d'évaluatrices. Il y avait ceux et celles qui ont répondu « Ah ben oui, puisqu'il y a la parité, il n'y a plus de discrimination de genre ». Et une autre moitié qui n'ont pas tout à fait répondu la même chose, qui ont dit « Ah non, il y a peut-être la parité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de discrimination de genre. Probablement qu'il faut faire encore attention, il faut rester vigilant, il y en a peut-être encore. » Résultat. Vous avez à gauche les estimations de compétences et à droite la proposition de salaire. Alors, je vais revenir sur la proposition de salaire pour vous expliquer pourquoi il y a une barre qui est négative. Hein, c'est en dessous, c'est négatif. Un salaire négatif, c'est quoi? Je sais rien. Donc sur la gauche, l'estimation de compétences. Eh bien, vous voyez que les évaluateurs et les évaluatrices qui considèrent qu'il y a encore de la discrimination de genre et qu'il faut faire attention, eh bien font attention. Puisque ne font pas de différence dans le niveau de compétences qu'ils évaluent, que ce soit pour Marc ou Elisabeth, puisque la différence n'est pas significative. En revanche, sur la partie de droite, elle est significative, et elle est significative chez qui? Chez les évaluateurs et évaluatrices qui vous disent « Ah, puisqu'il y a la parité, il n'y a plus de discrimination de genre, donc on ne fait pas attention. » Donc ceux qui disent qu'il n'y a plus de discrimination discriminent, puisque font une évaluation différenciée du niveau de compétence entre Marc et Elisabeth, qui encore une fois est infondée, puisque le CV est strictement le même. On a la même chose au niveau de l'estimation de salaire. Alors pourquoi à droite, le salaire est négatif? Parce qu'en fait, il a été corrigé par le salaire de base qui est généralement donné pour cette première embauche. Donc, ça veut dire que le salaire qui est proposé par les évaluateurs et évaluatrices qui considèrent qu'il n'y a plus de discrimination, eh bien, ce salaire est inférieur au salaire moyen de base habituel. Alors, ces résultats que je viens de vous présenter sont évidemment fondamentaux, extrêmement intéressants, mais il y a un petit inconvénient que beaucoup d'ailleurs ne se manqueront pas de mettre en avant, à savoir que ce sont des résultats issus de recherches expérimentales, donc ce sont des scénarios fictifs. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de savoir avec mes collaborateurs en réalisant une étude à la demande de la gouvernance du CNRS auprès des sections, des 40 sections du CNRS qui ont pour tâche d'évaluer les dossiers de candidature au poste de directeur ou de directrice de recherche, donc ce poste le plus élevé au niveau de la recherche au CNRS, où encore aujourd'hui, il n'y a que 29% de femmes. Nous avons suivi pendant 2 ans l'ensemble des 40 sections de ce comité. Pendant 2 ans, donc les 40 jurys, nous leur avons fait passer le test des associations implicites pour connaître la force d'ancrage du stéréotype en mémoire. Nous les avons également interrogés comme Moss Rakusin et collaborateurs sur ce qu'ils et elles pensaient justement de la sous-représentation des femmes en sciences et du lien avec la discrimination. Est-ce que la discrimination de genre peut contribuer à expliquer encore aujourd'hui la sous-représentation des femmes en sciences et au poste à responsabilité de directrice de recherche?
Et puis, nous avions eu accès, grâce à la gouvernance, au nombre d'hommes et de femmes candidats pour chacune des sections, et puis au nombre d'hommes et de femmes qui avaient été retenus dans la shortlist pour justement avoir ce fameux poste prestigieux qui est directeur ou directrice de recherche au CNRS. Grâce à ces chiffres, nous avons pu calculer un indice de parité qui permet justement de tenir compte du vivier. C'est intéressant, ça. C'est un indice qui a fait jurisprudence aux États-Unis. Hein. Il est utilisé depuis les années 70 et il y a un seuil d'interprétation qui permet de dire s'il y a de la discrimination ou pas. Ce seuil, ce n'est pas 1, c'est la parité. Alors, on comprend bien quand c'est au-dessus de 1, c'est à la faveur des hommes, en dessous de 1, au-dessus de 1, c'est à la faveur des femmes, inférieur à 1, c'est à la défaveur des femmes, à la faveur des hommes. Mais en fait, le seuil, c'est 0,80, c'est 80%. Lorsqu'on est égal à 0,80 ou en dessous, c'est de la discrimination. C'est-à-dire qu'on recrute moins compte tenu de ce qu'on aurait dû faire sur la base du vivier, sauf évidemment à penser que les femmes sont nécessairement moins compétentes que les hommes. Et on revient sur le stéréotype. Les résultats, alors ce qui était très intéressant dans ce que nous avons obtenu, c'est que les décisions de recrutement des hommes et des femmes sur la position de directeur et directrice de recherche dépendaient à la fois des réponses des évaluateurs et évaluatrices à la petite question sur le lien entre sous-représentation des femmes et discrimination de genre. Et alors, comme Mostracusan, on a eu deux catégories de comités. Les comités qui déclaraient que ben non, il n'y avait plus de discrimination de genre aujourd'hui, et une autre moitié qui déclarait « Ah si, il y a encore de la discrimination de genre, probablement qu'il faut faire attention et rester vigilant ». Et puis, les résultats sur le fort ancrage du stéréotype en mémoire. Et là, on se rend compte, ici, vous avez la parité en vert. Hop, voilà. On se rend compte en bleu, vous avez en fait les décisions de recrutement des évaluateurs et évaluatrices qui vous disent que, ben non, il n'y a plus trop de discrimination aujourd'hui. Eh bien, les jurys qui déclarent qu'il n'y a plus trop de discrimination de genre à l'encontre des femmes aujourd'hui, eh bien, discrimine, puisqu'il y a un lien significatif entre le fort ancrage du stéréotype en mémoire et leur décision de recrutement. C'est-à-dire qu'au plus, ils ont le stéréotype de genre en science qui ancre en mémoire, au moins, ils vont recruter, promouvoir des femmes directrices de recherche. Ce qui est intéressant, c'est que ce lien n'existe pas, vous le voyez en orange ou en marron, ce lien n'existe pas chez les comités qui pourtant ont un ancrage du stéréotype tout aussi fort en mémoire, mais qui considèrent que la discrimination de genre existe encore et il faut faire attention. Donc, ça veut dire que ces comités corrigent et recrutent à parité. À partir de là, il y a eu beaucoup de travaux, et je termine là-dessus, qui, depuis, on va dire, 2012, hein, beaucoup de travaux à l'international qui ont essayé de décliner des propositions d'action, et notamment de formation, pour lutter contre les conséquences de ces biais implicites de genre au moment des promotions et de recrutement dans les universités. Vous avez notamment les travaux de Patricia Devine, qui a proposé son modèle « Breaking the Habit », puisqu'elle considère que les stéréotypes sont des automatismes, des habits, qu'il est possible de casser avec un certain nombre de formations qui reposent sur les éléments suivants. Premier élément, quand on forme, il est important d'abord de faire prendre conscience de l'existence des biais stéréotypés implicites. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais d'expliquer ce qu'est un automatisme en mémoire, comment il fonctionne, pour ensuite être mieux à même de le repérer au moment où il se produit, et puis d'expliquer son fonctionnement pour le contrer. Donc, deuxième pas, c'est cette explication du fonctionnement de ces biais et donc les conséquences. Et ensuite, utiliser des stratégies pour mieux contrôler ces biais et en réduire l'impact. Et puis, rendre visibles les résultats genrés des promotions et des recrutements en fonction du nombre d'hommes et de femmes parmi les candidatures, donc parmi le vivier. Tout ceci, évidemment, est fondamental et d'ailleurs, les différentes injonctions qui sont celles nationales et européennes ne s'y sont pas trompées aujourd'hui. On a parlé des plans d'action. Il y a eu cette circulaire du 18 juin 2020 qui a été publiée par le MESRI et qui donne des recommandations pour les recrutements sans les biais implicites de genre au niveau des universités pour les recrutements des enseignants-chercheurs et qui propose justement d'utiliser un certain nombre d'outils, dont le test des associations implicites que j'ai évoqué aujourd'hui, mais aussi le recours à des petites vidéos de 5-6 minutes à diffuser au moment des réunions, des travaux des comités pour illustrer les biais en action et puis essayer de les repérer dans notre propre réunion pour y faire face et y résister.
Horizon Europe, donc la Commission européenne va encore plus loin, puisqu'elle va au-delà des recommandations. Horizon Europe a fait du genre un critère de go-no-go lorsque les universités ou les EPST veulent déposer des projets de recherche pour obtenir un financement. Donc, le genre est un critère d'éligibilité, d'évaluation et de classement. Et juste deux secondes, qu'est-ce que ça veut dire, critère d'éligibilité? C'est très important. Pour être éligible, les institutions doivent posséder un plan d'action à l'égalité femmes-hommes. Bon, très bien, mais ça ne suffit pas. Ce plan d'action, il faut qu'il soit accessible en ligne. Ça ne suffit pas non plus. Il faut également que ce plan d'action possède un certain nombre d'actions qui sont elles aussi considérées comme obligatoires. Et parmi ces actions, il y a notamment la formation et le renforcement des capacités à la lutte contre les biais de genre lors des recrutements. Voilà. Sans ces formations-là, eh ben c'est no-go. C'est-à-dire, on n'est pas éligible. Sur cette base-là, nous avons mis depuis 2020 à Aix-Marseille Université en place deux types d'actions. Une action de sensibilisation auprès des comités de sélection des enseignants-chercheurs. Donc, depuis deux ans, c'est plus d'une centaine de comités qui sont passés par cette action de sensibilisation de formation. Donc, avec un protocole très standardisé pour s'assurer que le protocole est bien suivi, qu'il y a une participation active, parce que si on ne peut pas garantir la participation et si on n'a pas une standardisation du protocole, on ne sait pas ce qui est fait et donc on ne peut pas évaluer le résultat. Donc là aussi, attention, ce n'est pas la carte, ce n'est pas au choix, ce n'est pas ou, c'est et, c'est et on passe un test pour prendre conscience de l'existence d'un biais et ensuite, eh bien, à travers soit des petites vidéos, soit des petits diaporamas animés, on explique aux membres des comités comment ces biais fonctionnent, comment les repérer et puis comment justement les maîtriser, en tout cas recadrer la discussion lorsque c'est nécessaire. Et tout cela doit être fait pendant les travaux des comités et pas envoyer un lien de téléchargement à tout le monde en disant « Allez, vous téléchargerez bien un jour, regardez si vous avez 5 minutes ». Non, parce que personne n'aura 5 minutes, on a trop de choses à faire. Donc, il faut cadrer tout cela. Et enfin, nous proposons également des formations, parce qu'on est d'accord qu'une sensibilisation avec des vidéos et un petit test de quelques minutes, ce n'est pas de la formation. Donc, soyons un petit peu plus actifs. Formation, des ateliers interactifs de 6 heures pour aller en profondeur, pour donner l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à chacun et chacune, pour être en mesure non seulement de repérer les biais, mais de les contrôler et de recadrer, lorsque c'est nécessaire, les discussions collectives. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette très belle démonstration de liaison entre stéréotypes et recrutement. Nous avons quelques questions. Est-ce que vous souhaitez, vous, dans la salle, poser des questions? Non, pas de questions. Oui, on vous laisse réfléchir. Une question en ligne, est-ce que le facteur générationnel joue sur l'égalité homme-femme? Non. Non, pas pour l'instant en fait. Hein. Les résultats de la recherche sont assez imparables sur le sujet. D'abord, le contenu des stéréotypes n'évolue pas. Il est strictement le même aujourd'hui qu'hier. Les résultats au test des associations implicites sont également imparables. Les scores sont les mêmes. Ce qui change aujourd'hui, c'est le politiquement correct et le fait qu'un certain nombre de personnes font attention à ce qu'elles vont déclarer, notamment public, voilà. Mais sinon, le contenu n'a pas évolué, mais ce qui s'explique complètement, hein, on est encore dans des automatismes. Voilà. Donc non, pour l'instant, ça n'évolue pas. Des questions émergent de la salle? Non. Des questions en ligne? Non plus, vous avez été tellement clair, Madame Régnier. Un peu rapide. On peut peut-être donner une minute, oui, au public qui est à distance, puisque l'intervention a été très dense. Ouais. Peut-être pour réfléchir de son, ouais, côté à des questions, et donc reprendre ensuite, au bout d'une minute, le fil. Nous faisons donc une petite pause d'une minute pour vous laisser le temps de digérer et de donner des questions. N'hésitez pas à écrire dans la partie de chat. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc c'est... Ah, une question. Je me lance. Alors, oui. Moi, je voulais savoir si les résultats que nous avons vus sont les mêmes dans les pays du nord de, du nord de l'Europe et s'il y a un distinguo entre le nord et le sud.
Alors, ces résultats ont été répliqués dans de nombreux pays. Donc, vous l'avez compris, hein, ils viennent d'abord d'Amérique du Nord. Okay. Ensuite, c'est l'Europe qui s'est emparée de ces résultats parce qu'en fait, les premières publications ont déclenché un engouement sans précédent hein, dans la communauté scientifique sur le sujet, à la fois parce qu'évidemment, il y avait des enjeux de recherche fondamentale, mais aussi de recherche appliquée évident, hein, avec des possibilités d'action et de changer la donne sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de différence en fonction des pays et des cultures. Il y a même eu une publication que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, alors qui date de 2009, mais qui n'en reste pas moins percutante, puisque le test des associations implicites a été passé dans plus de 60 pays différents, dont des pays du Nord, et les résultats nous disent exactement la même chose. Il peut y avoir évidemment des variations entre les pays sur la valeur hein, et la force d'ancrage du stéréotype en mémoire, mais le score reste positif et significatif. Probablement qu'au jour d'aujourd'hui, les stéréotypes de genre en science font partie des stéréotypes les plus puissants et qui ont un caractère assez universel. Donc, encore un stéréotype entre le nord et le sud qui tombe ? Oui. Oui. Ouais, je voulais parler d'une chose qui semble être évidente au regard de tout le monde, mais l'influence culturelle dans le cadre de certaines civilisations. On a bien trouvé qu'effectivement la perspective d'épanouissement d'une femme au cœur d'une civilisation est réduite. Et là, je parle d'une culturelle. Alors, j'entends pas très bien avec votre masque, excusez-moi. Mais... Je parle du culturel. Oui. La religion. Oui, mais ma réponse ne va pas changer. Sur les stéréotypes de genre en science, hein, je parle. On est en train de parler des stéréotypes de, science, de genre en science. Hein. En tout cas, pas ce que nous montrent les travaux sur le sujet. Des questions sur le chat ? Oui, des questions nous arrivent. Ce problème de stéréotypes concernant les genres est-il transférable sur d'autres types de stéréotypes ? Oui, alors il y a beaucoup d'exemples. J'avais commencé par vous présenter la première démonstration de ce phénomène par Claude Steele, Steele Aronson aux États-Unis, sur le stéréotype envers les Afro-Américains, selon lequel ils seraient moins intelligents que leurs homologues d'origine caucasienne. S'agissant des stéréotypes de genre, d'autres travaux ont montré qu'en lecture, par exemple, on a les mêmes effets, mais cette fois-ci vis-à-vis des garçons. Donc, pour la lecture à l'école primaire, vous prenez un test de lecture, un vrai test de lecture, avec des filles et des garçons. Ce test de lecture, quand vous le présentez comme un test de lecture, les garçons sont en difficulté, le réussissent moins bien que les filles, alors que le même test, lorsque vous dites que c'est un jeu, la performance des filles ne change pas vraiment, par contre, celle des garçons augmente. Donc, ils savent lire, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'à un moment donné, lorsqu'on dit qu'on les évalue en lecture, ils perdent un petit peu leurs moyens, justement, parce qu'il y a un stéréotype ambiant selon lequel la lecture ne serait pas pour les garçons. Vous avez exactement les mêmes effets s'agissant des stéréotypes négatifs du vieillissement, donc pour les personnes âgées dans le domaine de la mémoire. C'est un stéréotype qui est très puissant. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs des travaux en cours avec plusieurs hôpitaux en France, en collaboration avec des neurologues et des équipes de neuropsychologues, où on montre que ces stéréotypes négatifs du vieillissement sont de nature à entraver la performance des personnes âgées au moment du dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer et peuvent conduire à des faux positifs. C'est-à-dire des personnes qui vont être diagnostiquées à tort comme allant développer la maladie d'Alzheimer. Des questions peut-être ? Une question dans la salle. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a un moyen d'ancrer de nouveaux stéréotypes, cette fois qui seraient positifs ? C'est-à-dire en essayant de modifier les constructions mentales, est-ce qu'il faut le faire dès l'enfance ? Est-ce que c'est possible de le faire au cours de l'adolescence ? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de changement générationnel, c'est une certaine fatalité qui s'abat même sur ceux qui sont de bonne volonté et qui essaient de combattre ces stéréotypes. Parce qu'en fait, vous avez la réponse dans votre question. Le souci aujourd'hui, c'est que les actions elles sont beaucoup trop ponctuelles, on fait du saupoudrage. Alors qu'effectivement, ce sont des actions générales qu'il faudrait mettre en place dès la petite enfance. Et il faut former tout le monde pour justement faire en sorte que cet aspect générationnel se mette en place. Il y a une action qui est très intéressante, qui est
qui a été mise en place par l'association Femmes et Sciences, que vous devez connaître, qui s'appelle, je crois, les portraits Sciences XXL. Donc, il s'agit d'afficher dans un lieu passant d'une grande ville des portraits, des grands portraits de femmes scientifiques. Alors, ce sont des portraits qui ne sont pas faits n'importe comment. Donc, il y a donc en grand format une femme. On voit bien que c'est une femme, donc, mais on voit bien aussi que c'est une scientifique avec des éléments sur l'affiche qui rappellent son métier. On voit tout de suite qu'elle est physicienne ou qu'elle est chimiste, etc. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça permettrait de faire ce que vous avez posé comme question, de créer un autre automatisme, puisqu'on sait que la mémoire fonctionne par... par association, et que pour associer des éléments ensemble, il faut qu'elle soit exposée de façon récurrente à ces associations. Ben donc oui, le fait de passer plusieurs fois par jour, dans une semaine, dans un mois, devant des affiches, on voit des femmes scientifiques, eh bien le cerveau va finir par associer femmes et sciences. Donc oui, c'est ainsi qu'on va finir par créer de nouveaux automatismes. Prenons les ouvrages scolaires, c'est pareil. Si on fait en sorte d'instaurer la parité dans les illustrations des exercices, en allant chercher justement des modèles féminins de réussite en sciences, mais aussi en illustrant sous forme de BD avec des petits acteurs, filles et garçons, bah oui, on va permettre de créer de nouvelles associations, de permettre aux filles de s'identifier aux mathématiques, à la chimie, à l'informatique, etc. Il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, la recherche sur le sujet apporte beaucoup de réponses. Après, bah, il existe l'écart entre les résultats de la recherche et puis la mise en pratique. Et pour mettre en pratique, il faut que tous les acteurs et les actrices qui bah, ont les manettes en main fassent en sorte qu'au niveau de l'éducation, au niveau des apprentissages, au niveau des professeurs qui sont formés à cela, eh bien, il y ait ce genre de formation-là. Voilà, qu'on leur donne ces connaissances-là et qu'on les transmette au plus grand nombre. Mais là, encore une fois, ce n'est pas à la carte, ce n'est pas au choix. Il y a des résultats très spécifiques qui décrivent les conditions d'enseignement de tout ça, les conditions d'efficacité des formations, et c'est important à respecter. N'y a-t-il pas un fond de vérité lié à l'expérience qui peut se heurter durablement au dépassement de certains stéréotypes ? N'y a-t-il pas un fond de vérité lié à l'expérience ? Qui peut se heurter durablement de certains stéréotypes. Je ne suis pas sûre bien. Moi non plus, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Alors, y a une question qu'on entend souvent qui est de dire, non mais quand même, il y aurait peut-être un fond de vérité dans ces stéréotypes, parce que ça, il n'y a pas de fumée sans feu. On entend souvent ça, et puis comme on disait tout à l'heure, les chiffres ne mentent pas, la sous-représentation des femmes en sciences, ça dure depuis un moment, ça traverse les pays, les cultures, et il y a eu des publications d'ailleurs, dans Science, dans les années 80, une spécialiste de l'apprentissage des maths, Camilla Benbow, expliquait que sur les tests standardisés de maths, sur les plus hauts scores, il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui réussissent sur les plus hauts scores et que cette plus grande réussite systématique, même si le ratio peut varier d'une année sur l'autre, est toujours à l'avantage des hommes. Bah, pour elle, ça traduisait nécessairement une infériorité d'ordre biologique des femmes en maths et selon elle, c'était lié à une différence d'exposition prénatale à la testostérone. Ah, il y avait une différence d'exposition prénatale à la testostérone. C'était son explication qu'elle a publiée dans Science à plusieurs reprises. Bon, évidemment que évidemment qu'il y a des différences d'exposition prénatale à la testostérone. Par contre, elle ne se transforme pas en différence de compétences cérébrales pour le traitement analytique lié aux maths. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, à la réponse, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité ? Ben non, il n'y a pas un fond de vérité en fait, parce que le problème des stéréotypes, c'est leur surgénéralisation. C'est-à-dire que ces stéréotypes sont tellement caricaturaux qu'ils nous conduisent à penser que leur contenu va être vrai et va s'appliquer à tous les exemplaires du groupe. Alors que ça peut être vrai pour certains, mais faux pour beaucoup d'autres. Et la règle, c'est la diversité du vivant, c'est pas autre chose. Donc ce qui est sûr, c'est que les différences interindividuelles sont bien plus importantes que ne le sont les différences intergroupes. Merci beaucoup, Madame Rigny, pour cette brillante intervention. Ah, d'autres questions. Ah, voilà. On a laissé le temps, maintenant les questions arrivent. Y a-t-il des comparaisons entre CV identique non genré, sans sexe spécifié, et avec la précision homme ou femme, afin de savoir si le CV homme est valorisé ou si c'est le CV femme qui est déprécié ?
J'ai pas compris. Oui. Autre question. Bon. Oui. La question, c'est de savoir si le CV non genré, on se rend compte. Alors oui. Merci pour le décodage. Alors, il y a quelques travaux sur le sujet où la question était, est-ce que, vous savez, c'était blindness, est-ce que lorsque c'est non-genré, lorsque c'est complètement anonymisé, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, d'après les recherches sur le sujet, bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, les évaluateurs ou évaluatrices ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer si c'est un homme ou si c'est une femme ou si c'est... quelqu'un, on va dire, un Afro-Américain, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits aux États-Unis sur ça, hein, c'est un Afro-Américain ou un individu d'origine caucasienne. Et en fait, ils font des inférences. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas trop. Ça. Et enfin, dernière question, comment changer les moyens de recrutement au concours pour les écoles d'infirmiers, je n'ai pas marqué école d'infirmière, école d'infirmiers, pour lesquelles la majorité des personnes qui se présentent sont des femmes? Donc, alors, est-ce que c'est le concours qu'il faut changer ou est-ce que c'est la façon d'attirer les hommes à ces concours alors qu'ils sont finalement en sous-représentation? Je pense que là, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui doit se préparer en amont. C'est exactement ce que disait Madame tout à l'heure lorsqu'elle parlait des chiffres et des différences hommes-femmes en fonction des filières et des disciplines. Tout ça se construit très tôt. Changer le concours... Je ne pense pas que le concours est une spécificité en lui-même qui explique cette différence de démarche. Elle se formalise bien en amont. Merci beaucoup, Madame Régnier, pour votre intervention. Et merci également à tous ceux et à toutes celles qui nous ont posé des questions. Alors maintenant, nous allons mettre en perspective le plan académique d'égalité professionnelle avec les interventions de nos deux directeurs des ressources humaines de l'Académie d'Aix-Marseille et de Nice. D'abord, Monsieur Bourdeau-Duy. Merci Madame Colombari, merci surtout à Madame Varna, pardon, à Madame Régnier, pour leur présentation très riche et très claire, qui structure particulièrement bien les problématiques qui sont les nôtres, qui dégage aussi un certain nombre de pistes de réflexion et qui contribue à cette réflexion collective que nous avons souhaité engager il y a déjà en plusieurs mois, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'égalité femmes-hommes. Ce sont des problématiques, vous le verrez aussi, qui rejoignent les témoignages des personnels des académies qui ont été mis en ligne sur les sites de l'Académie de Nice comme de l'Académie d'Aix. Ce sont des témoignages qui représentent, de par les agents qui sont interviewés dans la diversité des métiers de l'éducation nationale, et également les questions qui se posent pour faire vivre très concrètement cette égalité entre les femmes et les hommes. Alors, une fois que ces problématiques ont été posées, vous l'avez dit, Madame Régnier, il faut mettre en place des actions concrètes. Nous avons tenté, aujourd'hui, en ouvrant cette première conférence, comprendre pour agir, de poser les jalons qui doivent maintenant nous conduire à renforcer des actions que nous souhaitons mettre en œuvre dans une démarche d'amélioration continue. Les plans académiques ont été mis en place dans nos deux académies, et j'essaie bien sûr, monsieur, je préfère préciser un certain nombre d'éléments pour l'Académie de Nice, ont fait l'objet d'échanges avec les représentants des personnels, avec vos représentants, en comité technique, en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce sont des plans qui s'inscrivent directement, monsieur le recteur l'a gagné et l'a rappelé, dans nos feuilles de route RH qui ont pour ambition de renouveler la gestion des ressources humaines dans l'ensemble des académies. La première chose, et nous nous inscrivons en cela dans ce qui a été présenté il y a quelques minutes, c'est le fait de prendre conscience. Prendre conscience, c'est ce que nous souhaitons faire en développant un certain nombre d'indicateurs genrés, en mettant en place une amélioration en profondeur du bien social qui est réalisé au sein de l'Académie, afin d'objectiver les écarts et pouvoir par la suite mettre en œuvre les correctifs qui vont apparaître de cette étude de données qui ont également été faites par Mme Varna au niveau national. Maintenant, il faut que nous affinions tout cela pour voir ce que cela représente pour nos académies respectives.
Le plan, c'est également la sensibilisation et la formation des personnels. La sensibilisation, elle est d'ores et déjà possible, bien évidemment, il y avait cette table ronde, mais aussi avec un webinaire qui a été mis en ligne maintenant et qui permet à l'ensemble des agents qui le souhaitent d'initier cette réflexion, de se sensibiliser sur les problématiques de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, il s'agit bien sûr de former. Alors, de former, pour commencer, d'abord nos encadrants, ça a été dit également, ils jouent un rôle particulier, ils jouent un rôle particulier en matière de recrutement, ils jouent un rôle particulier en matière d'évaluation. Il est donc essentiel que les encadrants, pris au sens très large, les encadrants dans les services administratifs, les encadrants bien évidemment au sein des établissements scolaires, les personnels de direction, les personnels d'inspection, puissent bénéficier de formations adaptées sur ces problématiques. C'est la formation également des membres de jury, des choses qui sont mises en place depuis plusieurs années au sein de notre division en charge des examens et des concours, et qui doit continuer afin de pouvoir lever une partie de ces stéréotypes de genre que vous nous avez décrits tout à l'heure, madame. Et puis, bien évidemment, plus largement, hein, la formation initiale des enseignants, la formation continue des enseignants qui, de par les missions, de par les fonctions qu'ils exercent au sein des établissements scolaires, ont également une responsabilité très forte pour faire vivre et relayer cette action sur le terrain au plus proche des élèves. Les plans que nous mettons en place, c'est également l'action en matière de promotion. Promotion pour garantir un équilibre entre les femmes et les hommes, notamment au vu que des promouvables, et une action en termes de mobilité afin de garantir, par les règles qui sont mises en place, un égal accès aux différents postes. Sur ce sujet-là, nous avons bien noté l'intérêt d'ajouter la petite phrase, ajouter cet élément qui permet finalement de faire basculer une candidature, et c'est également un travail que nous conduirons avec les missions académiques de l'encadrement qui ont pour but de travailler sur la constitution de viviers de personnel qui puissent y accéder à des fonctions supérieures. Cela a été souligné d'ailleurs dans les questions qui ont été posées, notamment sur les recrutements des adjoints et des chefs d'établissement, avec une réflexion, et des actions dont se sont emparées sur ce sujet nos deux académies. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être mis en place afin de mieux accompagner la parentalité, de mieux accompagner la grossesse, avec des informations, des guides qui seront faits en destination des personnels. Et puis, un dernier volet très structurant dans le plan d'action, celui de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avec la création dans chacune de nos deux académies d'une cellule d'écoute au bénéfice de l'ensemble des personnels afin de traiter l'ensemble de ces demandes et de mettre en place, le cas échéant, des correctifs. Voilà pour des éléments d'ordre généraux sur ce que les académies souhaitent mettre en place. Je cède bien évidemment la parole maintenant à M. Peffer, DRH de l'Académie de Nice. Bonjour M. le recteur. Je profite de votre arrivée pour remercier l'Académie d'Aix, non seulement de nous avoir accueillis aujourd'hui, mais surtout d'avoir préparé cette conférence en commun pour les deux académies et avoir mené un travail quand même très largement concerté entre les deux académies sur ces thématiques. Du coup, vous vous doutez bien que pour l'Académie de Nice, le plan d'action, qui d'ailleurs, comme l'a expliqué Madame Bernard, est une déclinaison du plan national. Forcément, on va retrouver beaucoup de points communs entre les deux académies. C'est ce qui justifie aussi d'ailleurs notre travail collaboratif. Donc, pour ce qui est du plan niçois, on est sur 5 axes. Le premier axe, c'est renforcer la gouvernance des politiques d'égalité. Ça a été dit en filigrane au cours de nos échanges. C'est l'affaire de tous.
la politique d'égalité, alors elle doit partir d'une gouvernance, elle doit être portée, il faut être volontariste en la matière, mais c'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être uniquement des plans d'action comme ça, et il faut vraiment une adhésion et une prise de conscience par rapport à ça, qui part du haut encadrement. Ensuite, c'est l'accès aux métiers et responsabilités. Alors, c'est ressorti de l'une des questions, d'ailleurs, le fait que le principe de la fonction publique, c'est l'égal accès de tous à la fonction publique. Le recrutement par concours, c'est le principe d'égalité de traitement des candidats. Donc, on pourrait se dire, du coup, on est à l'abri de ces problématiques. Et là, on a bien vu que c'est loin d'être le cas et que, donc, là aussi, il faut, comme a dit M. Bourdauduit, il faut se doter d'outils, d'indicateurs pour pouvoir suivre, impulser, suivre, identifier là où on a des problématiques pour pouvoir essayer de les faire évoluer. Les écarts, le troisième axe, c'est un travail sur les écarts de rémunération et les déroulements de carrière. Là aussi, on a un déroulement de carrière qui est quand même très cadré par les textes, et pour autant, on voit bien qu'il y a des écarts de déroulement de carrière, et donc là aussi, il faut être il faut en avoir évidemment conscience, mais il faut aussi avoir des outils, des indicateurs qui nous permettent de les identifier et ensuite d'agir, donc de mettre en place des plans d'action pour pouvoir faire évoluer les choses. L'axe 4, il parle peut-être davantage, puisque là, c'est mieux accompagner la parentalité et l'articulation des temps de travail. On l'a vu, enfin, Madame Varna l'a souligné, les temps partiels, par exemple, ça a un impact fort sur l'évolution, et c'est souvent lié, d'ailleurs, c'est de droit, le temps partiel est de droit pour enfants de moins de 3 ans. Donc on voit bien que ça a un impact fort qu'on mesure pas, enfin en tout cas on mesurait moins avant, et en se dotant d'indicateurs et en essayant d'influencer sur les temps de travail, par exemple les heures de réunion, les jours de réunion, etc. Il y a des actions concrètes qui, mises bout à bout, peuvent vraiment avoir à l'arrivée un impact fort, notamment pour les candidatures à des responsabilités où il peut y avoir une forme d'autocensure en se disant que les contraintes de telle ou telle fonction ne sont pas compatibles avec la parentalité et la vie de famille. Et le dernier axe, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence. Donc là, ce n'est pas du tout la même problématique, puisqu'on est là davantage sur... Ce n'est pas un problème de stéréotype, là, c'est plus un problème de lutte et de prévention. Et ça m'amène à parler de la conférence du même type, qui cette fois sera en concertation toujours avec Aix-Marseille, mais plutôt organisée au rectorat de Nice, et qui porte sur cette problématique, qui est notamment la question de la loi du silence, et donc la prise de conscience de comment lutter et quelles sont les modalités pour lutter, puisque là aussi c'est l'affaire de tous. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, nous vous remercions pour ces deux prises de parole qui nous permettent d'avoir une déclinaison du plan d'action pour l'égalité. Et avant de laisser Monsieur le recteur de région, Monsieur Bernard Bénit, qui nous a rejoint, faire la conclusion, je rappelle à tous les participants de la nécessité d'émarger en allant sur l'onglet « Programme » et tout en haut de l'écran à gauche, de cliquer sur le lien pour signer votre présence. C'est important pour le service de formation. Nous laissons les mots de conclusion à Monsieur le recteur de région. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation à cette journée, ce très long entretien sur ce sujet récurrent. Et bien sûr qu'il y a toujours un danger
à avoir chaque année le même thème qui revient, c'est de ne pas apporter quelque chose de particulièrement neuf. Il faut pourtant regarder attentivement tout ce que nous pouvons faire de progrès, et c'est ce qui a été dit en particulier par nos responsables de relations humaines et de répartition des fonctions et des postes dans nos deux académies. Nous avons encore des efforts à faire, nous avons des prises de conscience à prendre, mais il faut voir les progrès constants. Et je veux d'abord souligner ce premier élément, cette prise de conscience générale que nous devons avoir pour objectif, cette égalité réelle, et faire en sorte, vous le disiez tout à l'heure à propos de l'évolution des carrières, si on veut vraiment arriver à une vraie égalité, il faut considérer pourquoi ces carrières, pendant très longtemps et sans doute encore aujourd'hui, peuvent se dérouler d'une manière différente. Ce qui signifie qu'on doit prendre en compte le fait qu'il peut y avoir, pour des raisons que l'on connaît bien, dans le parcours d'une femme, des ralentissements qu'on ne trouve pas dans les parcours des hommes. Et donc, ça signifie que ça ne doit pas être quelque chose qui relève de la fatalité, quelque chose contre lequel nous ne faisons rien, mais contre lequel on réagit. Et ça, c'est un point extrêmement important. De ce point de vue-là, vous le disiez tout à l'heure, il y a le déroulement des carrières de la fonction publique, le déroulement des concours, et on doit s'interroger de savoir si ce mode absolument uniforme correspond réellement à la différenciation qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est une interrogation de fond qu'il faut avoir à ce sujet-là. Sur le reste, sur ce qui a été mis en œuvre et qui relève bien sûr de politiques plus générales mises en œuvre par notre ministère, vous voyez également qu'il y a, et je m'en réjouis, une vraie corrélation entre nos deux académies, parce qu'il pourrait y avoir un risque réel, c'est-à-dire d'avoir deux politiques différentes, ou tout au moins sans avoir de politique différente, de politiques n'ayant pas la même vitesse. On peut avoir la même politique, mais pas la même vitesse. Alors, si l'un roule en première et puis l'autre en cinquième, au bout du parcours, l'idée, ce n'est plus la même politique. Et la corrélation à travers la région académique et la démonstration que nous voulons vraiment avancer sur le même point, la même destination. Il y a également d'autres éléments dont il faudra, pour l'éducation nationale, vraiment s'emparer, et qui est un vrai sujet pour l'avenir, qui est que selon les corps, nous avons au départ une différenciation très marquée entre le sexe masculin et le sexe féminin. Je ne prendrai qu'un seul exemple, 80% des professeurs des écoles sont aujourd'hui souvent des jeunes femmes, mais on pourrait prendre à l'inverse le corps des professeurs de mathématiques de l'enseignement supérieur, où il faudrait que je vérifie les chiffres, il y a quelques années, il y avait simplement 6% de femmes. C'est une donnée sur laquelle il faudra vraiment réfléchir. Le professeur de droit que je suis a vu toute l'évolution du corps judiciaire en l'espace de 25 ans, changé très profondément, puisque nous devons avoir, il a encore vérifié, 70% à peu près, des jeunes magistrates et des jeunes avocates qui sont aujourd'hui des femmes. Et ça signifie que là, vous voyez, l'exigence de parité devient très compliquée, parce que la base de départ n'est pas du tout la même. Et c'est un élément sur lequel il faudra vraiment s'interroger, sans parler, bien sûr, pour d'autres corps pour lesquels nous aurons peut-être un jour des difficultés de recrutement. Je songe aux professeurs, par exemple, de lettres classiques. Une fois qu'on a bien analysé les choses, une fois qu'on ne sait pas masquer la réalité, on peut avancer très, très fermement. Et il faut aussi regarder concrètement qu'est-ce que cela donne sur le terrain. De ce point de vue-là, il est utile que nous ayons des remontées.
il peut arriver, bien sûr, que les meilleures intentions du monde ont du mal à se réaliser. Et il faut le regarder, savoir pourquoi elles ne se réalisent pas, avoir des correctifs sans doute à certains moments et faire en sorte que nous ne soyons pas simplement dans des postulats, des points d'horizon qui sont intéressants, mais qui sont parfois tellement éloignés qu'on ne cherche pas nécessairement à les atteindre. En tout cas, c'est un élément qui est aujourd'hui extrêmement important, qui, je crois, a quand même, dans la société française en particulier, dans la société plus générale de toute l'Europe, énormément évolué en quand même quelques années. Enfin, les plus anciens ici présents, et en tout cas j'en fais partie, ont vu de véritables bouleversements de la société en l'espace d'un certain nombre de décennies. Concrètement, c'est une réalité. Et il nous appartient également, et je terminerai par là, dans des débats qui touchent l'Académie, qui touchent tout notre pays, de conflits potentiels entre des cultures et des civilisations différentes, mais qui se nouent aujourd'hui sur notre territoire. Nous avons à montrer que cette égalité est un élément important de la société dans laquelle nous vivons. Nous avons à faire comprendre pourquoi nous y tenons, nous avons à faire partager cela, et il y a là-dessus un travail considérable à réaliser dans une ville comme Marseille, d'où je viens il y a un instant. C'est quelque chose qui, là, est visible, tangible, et sur lequel c'est aussi un autre défi à relever. En tout cas, je remercie tout spécialement tous ceux qui sont ici présents, les différents cadres des secrétariats généraux, des deux académies et tous ceux qui sont ici réunis pour faire en sorte que concrètement cette politique se traduise par une action sur le terrain qui nécessite beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Et puisque je commençais en disant que ce sont des propos un peu récurrents chaque 8 mars, je fais un vœu, c'est que chaque 8 mars, on puisse dire qu'on s'est amélioré d'une année sur l'autre. Et même que le pas a été encore un peu plus vif, puisque, au fond, nous le savons bien, les marathons se terminent par un sprint, et j'espère que le sprint arrive très prochainement, en tout cas d'ici 2024, date olympique à Marseille en particulier. Merci à toutes et à tous.